Oh baby, I wanted you to be inside my arms, where the night goes down. Oh baby, I wanted you to be. Ouais. J'arrive. Salut mes amis. Ouais, ça y est, une petite nouvelle vidéo. Vous pouvez constater, en pleine campagne, avec grand soleil, j'en profite qu'il fasse assez beau, malgré que je pue, mais en moto, vous savez, il fait pas chaud quand même. On est rien qu'au mois de mars. Bon, cette petite vidéo pour vite fait pour vous signaler que je ne vais peut-être plus faire de maisons abandonnées. Peut-être une de temps en temps, là. J'en ai une là, j'ai une autorisation là, de monsieur là, qui m'a permis d'aller visiter sa maison, une très belle maison là, mais je vais sûrement arrêter progressivement, là. Toutes les maisons abandonnées là, ou présumées hantées, je vais arrêter parce que bon, ça prend beaucoup de temps et puis vis-à-vis par rapport aux autorisations aussi. Il faut avoir certaines autorisations pour aller visiter les maisons, parce que ces maisons, elles appartiennent à plusieurs familles. Et c'est assez compliqué ici en Tunisie, quoi, pour aller filmer des lieux abandonnés. Or, tout simplement, je pense progressivement arrêter de ça. Je vais continuer par contre mes vidéos sur les lieux, sur le paysage de Djerba, sur des trucs un petit peu sympas, quoi. Je ne parlerai toujours pas, hein. C'est-à-dire, je commenterai pas, hein. Oui, je commenterai pas, je sais plus ce que je dois dire. Ouais, je commenterai pas, c'est comme ça qu'on dit. Ouais, sûrement, ouais. Vous allez me dire par la suite. Arrêtez de rigoler, vous foutez pas de ma gueule, c'est difficile de faire une vidéo. Ah putain. Voilà, vous dire quoi de plus? Ouais, eh bien, que je vais continuer à faire des vidéos, mais sur des lieux autres que les maisons abandonnées. Sur le paysage de Djerba, ça fait 2 fois que je me répète. Voilà. Bon, sur ce, mes chers amis, moi je vais vous laisser. Je vais filmer, je vais vous amener avec moi là. On va pas couper de suite. Je vais vous amener avec moi sur un endroit là que j'ai vu. Vous allez voir, c'est assez, c'est particulier et puis très 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 dangereux. Mais je vous amène avec moi, vous allez mieux comprendre. Allez, on y va. Allez, on se retrouve. Alors là, je suis dans un endroit très particulier. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'une maison que j'allais sûrement, peut-être, c'est pas encore sûr, hein, que j'allais sûrement aller visiter. C'est cette maison qui se trouve là-bas. Alors, attendez, je vais essayer. Voilà, c'est cette maison. On n'en voit qu'une petite partie parce que c'est derrière la colline. Et j'irai la visiter, j'ai l'autorisation du monsieur là-bas. Hein, j'irai la visiter. Mais je veux vous montrer quelque chose de même particulier ici. Vous allez voir. C'est joli, hein. C'est très joli. Il y a même les moutons. Ben, il y a des moutons. Alors quelque chose qui est chouette, mais très très dangereux. Vous allez remarquer. Alors attendez. Ouais, il y a le focus qui est en train de déconner, la caméra qui est en train de déconner aussi, je sais pas pourquoi. Oh, c'est pas grave. Allez, on y va. Ouais, c'est là. Vous avez peut-être compris, enfin, certains d'entre vous sûrement compris que c'est un ancien puits. Oui, c'est un ancien puits avec. Normalement avec toute la structure qu'il y a dessus. Voilà, voilà ce qui peut arriver quand on se promène dans la nature, la découverte. Alors attention, n'ayez pas le vertige surtout, hein. On y va. Voilà, c'est un trou, qui s'est fait au fur et à mesure avec le temps. voyez, alors je vais pas trop m'approcher non plus. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et c'est assez profond, hein. Je peux pas descendre en mais tu vois. C'est assez profond. Voilà le trou. Le trou, et vous l'avez, voilà, hein, vous voyez. C'est en pleine nature, il n'y a rien du tout pour protéger. On ne sait pas ce qu'il y a dans le trou. Hein. Bon, ce qui me fait dire que c'est un ancien puits, tout simplement, c'est les... sa structure là. Ah, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. C'est la structure là. Et... ah, voilà. C'est ça là. Vous voyez? C'est ça. Vous voyez, je suis en pleine nature là. Et ça fait, c'est assez particulier. Bon, voilà la maison que je vous parlais. La voilà. On la voit mieux là. Vous voyez? Elle a l'air vraiment très belle. J'ai l'autorisation pour aller la filmer. Alors, donc, je vais pas m'en gêner. Je vais pas m'en gêner. Et là, vous avez la nature. Voilà. Voilà, voilà. Bon, attendez, je vais tourner la caméra vite à fait. Je vais me mettre par là. Je vais me mettre par là. Attends, je tire le micro. Voilà. Attends, je fais mon retour. Voilà. Voilà. Ah, je suis dans les herbes. Ah, c'est formidable. Je ne sais pas si vous m'entendez bien là. Parce que je me suis éloigné du micro. J'ai pas le micro cravate là. Bon, écoutez, mes chers amis, moi je vous laisse sur cette vidéo. Faites attention si vous venez à Djerba, quand vous promenez dans la nature, de ne pas tomber sur un trou comme ça. Hein. C'est dangereux. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure. Salut, salut. Ciao, ciao.